Stern, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour le test du Mosin Swanoff. Donc vous inquiétez pas, je sais que la majorité des gens qui sont amateurs de Mosin, tels comme moi, vous diront que c'est inutile et que ça rend l'arme totalement, ça rend l'arme totalement useless et inutilisable. Donc ne vous inquiétez pas, j'en ai deux sur moi. Donc un Swanoff et un canoncier quoi. Un Mosin canoncier. Et il y a un Mosin normal. Alors pour faire le canon scié sur le Mosin, il vous faut une scie. Donc comme ça, c'est comme celle-là. Bon, je vais pas le faire en live. Hein. Voilà, il faut glisser la scie sur le Mosin. Ça vous apparaître Swanoff de Mosin. Donc une action, Swanoff Mosin. Vous le faites. Puis vous aurez l'arme que j'ai actuellement dans les mains. Donc c'est assez une arme. Bon, je ne suis pas con, j'ai pas mis les munitions pour l'instant, mais je vais vous montrer la mire. Ouais, quand même, vous voyez, je vais vous montrer la différence avec le vrai, quoi, quand même. Voilà, quoi. On a la mire que là, on a, enfin, vraiment, si vous voulez vraiment un Swanoff, si vous voulez un petit fusil de... Bah de poche quoi, prenez un IZH 43 quoi, un shotgun quoi, vous prenez le shotgun, vous le coupez, que ça c'est vraiment une abomination de faire ceci quoi. Voilà, hop, on va chercher un zombie, donc j'espère en trouver un parce qu'on est sur l'île. Donc bon, voilà. Sur l'île il y en a, ils sont assez, les zombies sont assez rares, bon bah en voilà un. On va tester à cette distance. Oulala, cette précision est assez horrible, on va dire. En fait, je sais pas du tout tirer, en fait. Ah ouais, en fait, faut mettre... Ouais, c'est un délire, quoi. C'est un délire pour viser avec cette chose. C'est totalement un délire, quoi. C'est pas précis. Donc, si on vous fait rusher avec sur un mec qui a la K, c'est pas précis. Hein. Vraiment, le Mosin Swanoff, c'est une connerie. Comment dire, une connerie de faire ça, quoi, en fait. On va faire un comparatif hein, quand même sur l'autre Mosin. Du coup, va falloir qu'on aille chercher encore des aides. Par contre, je crois que j'ai tué tous les aides de l'île, d'après mes estimations. Donc peut-être qu'au château, on verra bien. J'espère qu'il y en aura. Je vous fais un cut dès que je trouve un zombie. À tout de suite. Alors voilà, re tout le monde, j'ai trouvé un zombie. Alors, faut savoir que le Mosin est une arme qui s'abîme très facilement. Il suffit de 30 coups et le Mosin sera totalement inutilisable, donc ruinade. Donc c'est pour ça qu'il faut en amener un sewing kit sur soi. Donc vous me demanderez comment je sais cette information, je l'ai vu sur une vidéo d'un anglais. Malheureusement le YouTube FR pour Days des tutos, il y a pas beaucoup de tutos quoi. Oh. Il n'y a pas beaucoup de tutos quoi, enfin vraiment, j'ai cherché des reviews d'armes, comme par exemple le Mosin Swanoff, bah il n'y avait que anglais, donc voilà. Comme vous pouvez le voir, le Mosin normal est beaucoup plus précis, ce qui est plutôt normal, parce que la munition sort beaucoup plus loin, ce qui est... Mais franchement, si vous avez un Mosin... Une scie, ne faites pas ça, vraiment, ne faites pas ça, c'est vraiment la dernière chose alors, à faire. Alors, tout le monde, alors, je fais une séquence avec le Mosin PU, on est après les deux premières séquences que j'ai tournées, du coup, je me suis dit qu'on allait chercher un PU, et du coup, je vais vous montrer le tir à longue distance, donc là, je pense que c'est au moins un tir à 500 mètres, je pense au moins, donc on va essayer. On va essayer un tir à 500 mètres.
Peut-être pas. Ouais, je dirais 500 mètres, ouais. Allez. Ah, c'est tombé juste en haut en fait. En fait, c'est 400 mètres, je pense. Ah, je l'ai eu, 400 mètres. Bah, comme vous pouvez le voir, à 400 mètres, c'est plutôt pas mal, hein. Vraiment, à 400 mètres, ça a des bonnes performances de tir. Donc là, j'ai vu un autre zombie, on va retester. Alors, vu qu'on est en zone 62, le PU a beaucoup a changé, quoi. Donc, c'est vraiment un sniper. Vraiment, le Mosin canon scié, c'est la... J'allais dire la pire arme, mais c'est pas forcément la pire arme. Mais c'est vraiment pas une bonne arme, donc je vous le déconseille vraiment, franchement. Ne faites pas ça, je vous en prie, ne faites pas ça. Bref, sur ce, c'était Valtern, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like, etc. Allez, sur ce, ciao les gens.